Clément, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de Sciences Po, Paris, excusez-moi. Mais de vous à moi, votre rêve, c'était Lille, non? C'était... Allez, je vais être honnête. Déjà, à l'époque, les Sciences Po provinciaux étaient moins développés qu'aujourd'hui. Et moi, vraiment, je rêvais de faire Sciences Po. Sciences Po Paris, donc. Voilà. Pour moi, il n'y avait que Sciences Po qui existait. Qu'un seul, c'était Sciences Po Paris. Vous êtes tout de même le bienvenu ici. On vous a vu tweeter pour soutenir l'équipe de France de football. Alors, au Brésil, on y sera les très prochains ou pas? C'est plutôt bien parti parce qu'elle est sur le chemin du progrès quand même, oui, clairement. Très bien. Plutôt Abdel Kechiche ou Abdelatif Kechiche ou Woody Allen? Ah, plutôt Woody Allen qu'Abdelatif Kechiche, oui. Alors, le plus déconneur? Le plus déconneur, Jean-Louis. Le plus fidèle? Aucun des deux. Le plus zen? François. Le plus sportif? François. Et le plus traître? Ça n'existe pas chez les centristes. Très bien. Concrètement, ça fait quoi au quotidien, un président du conseil de l'UDI? Concrètement, ça a une vie de parlementaire et ça se retrouve face à vous pour, après un débat à Sciences Po Lille. Merci beaucoup, Hervé Morin.